Bonjour Antoine Bergeau. Salut. Alors vous venez de sortir un album qui s'appelle Wasteland avec Mike Ladd. Ça appelle tout de suite deux questions. Ça veut dire quoi Wasteland? Alors Wasteland, c'est la terre vaine. C'est un poème de T.S. Eliot sur lequel on est parti pour créer le disque. Et en fait, c'est un poème qui m'a parlé assez vite. Donc j'ai voulu le mettre en musique dans un premier temps. Après, Mike, que je connais depuis 3-4 ans, a posé des textes dessus sur une création à lui. On a gardé le nom parce que c'est assez parlant. Vous devancez un tout petit peu ma question, on va peut-être rappeler qui est Mike Ladd. Alors Mike, c'est un chanteur, slammer, poète américain qui vient de Boston, qui est à Paris depuis 10 ans, que j'ai rencontré chez Dr. L, qui était un ami DJ, producteur qu'on a en commun. Et voilà, en fait, on a accroché assez vite et je l'ai invité sur ce disque de manière assez naturelle. Mais comment vous avez eu l'idée de travailler avec un chanteur, rappeur? Enfin, c'est un monde qui est quand même un petit peu éloigné, un petit peu différent du jazz ou non pour vous ça? Bah, moi, j'ai grandi avec ça, c'est-à-dire que j'ai autant de disques de hip-hop que de jazz, donc en fait, c'était assez naturel. Puis moi, j'ai ce rapport à la voix assez précieux dans le jazz, je pense qu'il faut essayer de garder cette lignée. Ça parle pour raconter des histoires, ça m'intéressait. Et Mike Ladd, de son côté, il a un antécédent, il a déjà participé à des... Oui, il a fait un projet avec Vijay Iyer, voilà. Il a fait il a fait une vingtaine de disques en fait, en son nom il a un label. Ok, alors qu'est-ce qu'on va trouver sur cet album? Des compositions, le côté musical c'est vous et le côté texte c'est Mike Ladd, c'est comme ça que ça fonctionne? Il y a eu plusieurs allers-retours. Moi j'ai écrit d'abord j'ai écrit pour Quartet dans un premier temps, avec Joseph Dumoulin, Stéphane Kerik, Fabrice Moreau. On va peut-être rappeler pour les spectateurs qui sont tous ces gens-là. Moi je le sais, vous aussi, mais peut-être pas tout le monde. Et en fait, j'avais proposé à Mike une impro une fois. Un concert, ça s'est super bien passé, donc en fait, sur ce, moi il m'a proposé ses textes, j'ai voulu réécrire un peu sur mesure, donc d'une part pour les musiciens et pour lui, et après il y a eu quelques allers-retours, et en fait on a écrit de la musique en même temps que les textes, mais travaillé sur un projet de BD en fait. C'est un scénario pour une BD qu'il va faire, je pense, l'année prochaine. D'accord. Et c'était la première esquisse de ce projet. Ok, on va peut-être rappeler, vous les avez cités très brièvement, ouais. Les musiciens et de quels instruments ils jouent alors. Stéphane Kerik, contrebasse, Joseph Dumoulin, Rhodes, Fabrice Moreau, la batterie. Pour le disque, parce que c'était un ami de longue date, j'ai invité Julien Leroux, ouais. Ténor. Et voilà, c'est que ma musique, écrite sur mesure. D'accord. Je précise parce que des fois. On reprend ou. Ouais, on reprend le truc, mais là c'était vraiment. J'avais cette idée de travailler sur le. Sur du texte. Sur ce projet-là, d'accord. Alors quand vous travaillez, quand vous tournez sur scène, on va trouver exactement cette formation-là ou est-ce qu'on peut s'affranchir parfois de Mike Ladd en l'occurrence? Non, en fait j'essaye de tourner avec tout le monde. Alors tout le monde est archi pris, donc pas forcément... Parce que chacun a son projet, Stéphane Kerecki et compagnie, voilà, tout le monde vient de sortir. C'est que Julien Leroux vient de rentrer de Londres, donc il est un peu dispo, ouais. Donc j'en profite un peu avant qu'il reparte. Mais sinon, un maximum, j'essaie d'avoir tout le monde sur scène. Ok, super. On va rappeler le nom de l'album et le label sur lequel il est sorti. Alors c'est Wasteland, c'est sur le label Fresh Sound New Talent. Ah, merci beaucoup Antoine Bergeau. Bah, merci à vous.